m'avez entendu dire qu'on ne laisse jamais tomber sa famille. Et je voudrais tous vous remercier de ne m'avoir jamais laissé tomber. Tu veux que je te présente? Très bien. Tout le monde? Voici Margot. Écoutez, j'ai jamais cessé d'être heureux. Vous savez, il y a une phrase que j'ai souvent répétée. Merci pour les roses, merci pour les épines. J'ai toujours été une enfant calme, complètement folle. Vous l'avez dit. Gourmande. Et je vous parle même pas des bonbons. Un garçon manqué. Froide. J'ai toujours aimé monter des vidéos. Mon doudou. Me déguiser. Partir en vacances. Les animaux, plus particulièrement les chiens. Me libérer à travers la musique. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. Dans la vie, plus tu es quelqu'un de bon, plus tu es différent, plus tu es seul. Alors non seulement il ne faut pas avoir peur de la solitude, mais au contraire, il faut l'utiliser comme une arme et avancer avec force et conviction, puisqu'au bout, il ne peut pas y avoir autre chose que la réussite. Donc changez de place plutôt que de personnalité si à un endroit, vous n'êtes pas accepté tel que vous êtes. Dès ma majorité, je suis allée travailler en plus des cours. Et je pense que c'est l'une de mes plus belles réussites. J'étais tellement fière d'être indépendante et d'aider comme je pouvais la famille. Avec de la persévérance et du temps, j'ai parvenu à réaliser mes rêves. Voir les Nicki en concert. Faire un saut à l'élastique. J'ai toujours voulu voler. On peut dire que c'est réussi. Et je vous rassure, j'ai pas fait caca après. J'ai fait de la bouée tractée. J'ai rencontré mes frères cachés. Quand cette affiche est devenue réalité. Pourquoi l'argent est aussi important pour toi? Pourquoi tu bosses autant? Parce qu'il aime ça. Ouais, mais c'est pas épuisant, penser jour et nuit au pognon? Si, c'est sûr. Mais je veux en avoir pour plus y penser. Le fric, c'est un obstacle, ou plutôt... Ne pas en avoir, ça t'empêche de faire tout ce que tu veux faire. Il faut avoir du fric pour pas avoir à y penser. Challenge de mon tatouage réussi, j'ai pris l'avion. Je me suis payé mes premières vacances à l'étranger. Qu'est-ce qui me fait avancer dans la vie? Je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire. Mes parents. Mes sœurs. Mes grands-parents, Madame Navé, mes cousins-cousines. Ma famille en règle générale. Les amis qui sont devenus la famille.
J'ai jamais vraiment eu beaucoup d'amis et j'ai eu beaucoup de déceptions. Malheureusement, certaines personnes m'ont quitté, mais d'une façon involontaire. Je pense à mon chien Othello. Tu es mon animal de compagnie, mais tu es également mon meilleur ami, tu le sais. À mémé Jeanne, à mon ami Lucas et à mon ami Alain. J'adresse un merci à toutes les personnes qui ont marqué ma vie d'une façon ou d'une autre. Maman, je te potello que je vais tout faire pour réussir et te faire en sorte que mes sœurs ne manquent jamais de rien. Voilà, voilà, mon film est terminé. N'oubliez pas de croire en vous et de toujours profiter car la vie est courte. Prenez soin de vous. Gros bisous.